Salam alaikum, Atali Dazoul, bonjour. Alors, je fais quand même une petite deuxième partie sur la vidéo que j'ai fait précédemment hier, là dans la nuit, au sujet de la fermeture de l'espace aérien algérien au Maroc. Voilà. Bon, ça va être rapide comme d'habitude. On va essayer d'être précis. Alors, d'abord. Vous lisez un peu, pour ceux qui ont cherché un peu dans l'actualité, tout ça, c'est une source au sein de Royal Air Maroc a détaillé que la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains ne concernerait que 15 vols hebdomadaires reliant la Tunisie, la Turquie et l'Égypte. Ça, on le lit un peu partout, puisque la dépêche de Reuters s'est reprise un peu partout. Bon, moi, je vous dis que non, c'est faux. C'est faux, parce que ça va concerner. Je vous ai montré hier dans la vidéo précédente, vous pouvez aller la revoir, ces deux gros axes. Un axe Casablanca allant vers l'est, donc tous les destinations vers l'est, incluant le sud de l'Italie, Grèce, Turquie, nord de l'Afrique, bien sûr Tunisie, bon, Libye, Égypte, et Moyen-Orient, ainsi que l'Arabie Saoudite, parce que tous les vols passaient par l'espace aérien français. Donc il y a tous ces vols-là, plus l'Afrique de l'Ouest, l'axe Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Sauf bien sûr tout ce qui est Nouakchott, Dakar, tout ça, hein, Abidjan, tout ça, ça n'est pas concerné par la fermeture, puisque les vols ne passaient pas par là. Mais tout le reste, que ce soit Niamey, le Cameroun, Burkina, tout ça, je vais pas répéter, tous ces vols-là sont concernés. Là, j'en avais pas pour à vous montrer aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu de décollage encore, donc je ne peux pas vous faire la démonstration. Alors, autre chose aussi qu'on lit, c'est que l'impact est qualifié de négligeable. Des changements de planification devant toutefois éviter l'espace aérien en survolant la Méditerranée. Ça aussi, ça n'est pas négligeable. Ça, c'est normal, hein, qu'on minimise tout ça, mais ça n'est pas négligeable. Pourquoi? Alors voyons, par exemple, je vais vous prendre des exemples. Alors avant, vous aviez par exemple là Casablanca-Istanbul, je vous en ai parlé, vous voyez la route là qui passe direct à la route aérienne, hein, quand je dis ça, qui passe tout le long du nord de l'Algérie, voilà, c'est la route la plus directe, la plus simple. Voilà. Donc là, ça c'était avant. Donc un vol qui faisait donc un Casa-Istanbul, Royal Air Maroc AT910 pour être précis. Le vol avait une durée totale de trajet de 3h44 minutes, hein, plus ou moins. D'accord? Ça, c'était avant la fermeture. Vous voyez, mercredi, c'était le dernier vol, mercredi à 10h29 le matin. Donc 3h44, retenez ça. Donc après la fermeture, donc aujourd'hui, voilà le trajet. C'est fini, donc on passe plus par le nord de l'Algérie. Le vol est obligé de contourner, donc passer hop là-haut par l'Espagne, Sardaigne, sud de l'Italie, Grèce, Istanbul. Donc 3h44 avant. Aujourd'hui, jeudi. Toujours le AT910, le même numéro de vol. Le vol a mis durée totale de trajet 4 heures. Alors vous me direz un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas beaucoup. Mais si, c'est pas négligeable du tout, parce qu'après vous cumulez le vol, il est quotidien, c'est tous les jours de l'année. D'accord? Quand vous faites 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes kérosène, là je vais pas rentrer dans les détails. Ça se répercutera sur le prix du total de revient du vol. 20 minutes de kérosène, 1 heure de kérosène, c'est environ, je sais plus. Là, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je sais que le kérosène est calculé à environ 50 centimes d'euros le kilomètre par passager, etc. Mais bon, je dis pas de bêtises. En tout cas, ça fait donc, comme je vous le disais hier, des temps de trajet plus longs, donc un surcoût en consommation de carburant, et aussi
L'autre chose qui c'est que les vols n'arrivent sont plus longs, donc les passagers préféreront toujours des vols qui vont plus vite. On n'a pas envie de passer des heures dans un avion. On préfère toujours un vol qui arrive plus tôt, qui a moins de temps de trajet, ça c'est normal. Voilà. Et je vais vous en parler après encore, hein. Donc on prend un autre exemple. Donc avant, toujours le avant-après. Là, on a Tunis. Alors, vol AT570, Tunis, vous voyez le chemin, Casa, Tunis, il n'y a pas plus direct en passant par l'Algérie. Hein. Ça, c'était mercredi avant la fermeture. On prend après Casa, Tunis, vous voyez là, il était en direct, hein, il n'y a pas longtemps. Là, c'est le vol d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez, il part direct là-haut vers l'Espagne. Voilà, il repique au niveau de Valence, Barcelone à peu près, quoi. Il va passer au-dessus des Baléares, voilà, et il va partir vers Tunis. Alors regardez là, dans le petit tableau, on voit le vol de mercredi, il était prévu en 2h04 minutes, d'accord? Le vol non, le vol de vendredi, lui, il est prévu en 2h35 de vol. Ce qui fait, toujours pareil, voilà, 30 minutes de différence entre les deux horaires. Ce qui se passe, c'est que la compagnie, elle a le choix. Soit elle va faire des temps de vol plus longs, ce qui va faire une perte de passagers. D'accord? Soit elle accélère en vol. Les avions peuvent rattraper les horaires en vol quand ils sont en retard et tout. Ils accélèrent et ils vont plus vite. Aller plus vite, donc arriver à la même heure, même en faisant un détour, on arrive quand même à la même heure qu'avant la fermeture de l'espace aérien. Arriver à la même heure coûtera plus cher parce qu'on volera plus rapidement. C'est très très logique. Donc là, vous avez vu sur Tunis, on va continuer avant Casablanca, Naples. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que Royal Air Maroc qui va être impacté, c'est tous les vols avec immatriculation marocaine. Donc Air Arabia, qui est une filiale low cost, donc ou indépendante, mais enfin sûrement filiale de la Royal Air Maroc, elle aussi, elle est impactée, notamment sur son vol Casa-Naples. Regardez, il passait ping, à la frontière, là-haut, Oran, il passait sur Oran, etc. Et hop, il allait sur Naples. Ça, c'était avant. Maintenant, prenons après. Après, voilà le parcours qu'ils font. Hop. On remonte Melilla, Almeria, Alicante, quoi. Enfin, vous voyez le chemin, Sardaigne, Naples, vous voyez, c'est quand même un détour. Pareil, pour arriver à l'heure, il faut accélérer ses consommations de kérosène en plus. Bon, Air Arabia sera impliqué, touché aussi. Là, je vous montre le petit tableau qui montre l'épreuve de ce que je vous disais hier. L'impact, c'est que les vols où il y aura des retards ou des vols annulés, dans l'immédiat, hein, le temps que tout se remette en place, et ben là, regardez, Air Arabia, vol Casablanca-Naples. Vous prenez le vol de lundi, il est arrivé, tout va bien. Le vol de ce jeudi, après la fermeture, le premier vol qui était prévu à 5h45 du matin a été annulé, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les nouveaux, parce que ça prend quand même du temps, quelques heures quand même, pour refaire des nouvelles routes aériennes, etc., avoir les autorisations et compagnie. Donc un vol annulé, ça coûte de l'argent aussi. Par contre, il y a bien eu le vol ensuite de 8h52, donc le précédent a été annulé, puis il y en a un autre là, celui de 8h52, qui lui était à l'heure. Voilà, mais avec le nouveau trajet. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que cette affaire, pour moi, ça n'est pas une affaire d'aviation civile, d'accord? Bon, ça, c'était obligé pour notre État d'inclure tous les appareils civils. Il y a des raisons économiques, sécuritaires, tout ça, mais le plus important, c'est une raison militaire. C'est ce qu'il y a de plus important. Hein, c'est le Haut Conseil de sécurité qui a pris la décision, n'oubliez pas.
Revenons sur le communiqué du Haut Conseil. Le Haut Conseil de sécurité a décidé de la fermeture immédiate de l'espace aérien de l'Algérie à tous les aéronefs civils et militaires marocains à partir de ce jour hier, d'accord ? Tous ceux qui portent un numéro d'immatriculation marocain. Le plus important, c'est là, la deuxième partie. La réunion du Haut Conseil de sécurité a été, pour rappel, consacrée à l'examen des développements aux frontières avec le Royaume du Maroc au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain. Alors, l'examen des développements aux frontières avec le Royaume marocain. Donc ça veut dire, c'est le problème de l'espionnage drone israélo-marocain, entre autres l'espionnage, entre autres toutes ces activités qui se passent à la frontière au niveau de l'aérien. C'est ça le sujet principal et c'était le thème principal du Haut Conseil de sécurité. Donc nous, les mesures qui ont été prises, c'est des mesures militaires et politique aussi, comme je vous ai dit, puisque le jour où on va descendre des drones israéliens, quoi, maroco-israéliens, on va les descendre, ils ne pourront pas protester ni auprès de l'ONU, ni auprès des instances internationales, etc. Ils n'avaient pas le droit, l'Algérie, de nous faire ça et tout ça. Non, là, le truc, c'est qu'on s'est couvert juridiquement, et maintenant... puisque vous ne croyez pas que l'Algérie n'est pas au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière marocaine. Hein. Il y a tous les équipements pour le savoir, etc. Sauf que l'Algérie, elle raconte pas qu'elle a tout ce qu'elle peut avoir comme armement de radar anti-drone, machin, pour contrer tout ça. Tout est prévu, bien sûr, mais bon. Donc là, c'est ça le principal problème. Tous les aéronefs immatriculation marocaine, même un drone est immatriculé marocain, c'est eux qui sont concernés. Ça n'est pas l'aviation civile, parce que de toute façon, ça va pas faire couler la Royal Air Maroc, etc. C'est pas le problème et c'est pas contre eux. Mais bon, ça fallait les inclure quand même pour se couvrir côté militaire. Voilà, je vous laisse juste pour avec une fin de mini-vidéo, quoi, sur quelques 30 secondes, hein, qui juste rappelle les problèmes qui existent avec les drones, les frontières et tout ça, et l'espionnage. Allez, maslama, le drone est aussi un excellent moyen pour les États en tension frontalière ou qui veulent tester la capacité de réaction des États ciblés sans y investir un appareil coûteux ou une vie humaine. C'est pourquoi de plus en plus de drones sont accusés de violer des espaces de souveraineté. N'oublions pas également son usage en milieu maritime qui rencontre les mêmes problèmes. Les drones aériens comme sous-marins sont un moyen de pression diplomatique. La Chine, par exemple, en a déjà fait usage vis-à-vis de l'espace aérien indien pour tester leurs réactions. Pareil pour les Américains qui se sont aventurés en drones sous-marins dans l'espace maritime philippin en mer de Chine méridionale, etc. etc.